Les 73 de Dallas. Ah, 73 à toi. 73 à toi. Ok, ben, là je suis avec la station Vagabond. Je suis sur la station Vagabond. Et le problème, je vais te voir une petite vidéo de toi. Voilà, retour. Ok, ça marche. Putain, ça module ce matin. Ça module. Affirmat, ouais, on a des 1000 passes là qui sont en train de faire la déchetterie de Castillon la bataille et puis voilà. Ouais, c'est bon ça. Ah, il va pas. Est-ce que. Attends, excuse, je te dis. Jean-Marie, est-ce que t'es derrière? Bah, attention Rémi, attention Denis, est-ce que ça l'a coupé direct? Ah oui, affirmatif, je te copie, y'a pas de problème, les bonnes 113-51. Ok, y'a pas de problème, Rémi, 73 à toi de Eric. Je sais pas si tu m'as reconnu, le bas de Oula, là comme ça, la seconde. Ouais, ma tête, c'est qu'il y a un certain qui t'a prêté chez moi, qui t'a pris. Y'a Michel qui t'a pris, on va essayer, on va lui essayer le main, il te voit. Si tu le copies. Ok, ça marche. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Il a laissé un enregistrement avec Hugues. Hugues, voilà, c'est mon voisin. À toi, Rémi. Ok, bah ça doit dater parce que je dois avoir quoi à peu près dans les 1055 vidéos. Alors oui, ça doit. J'ai un petit peu oublié là sur le coup, elle chie trois coups. Attention, Rémi. Oui, oui, affirmatif. Oui, Jean-Marie, il y a Denis 33 derrière. Voilà, on est encore en communication. Voilà, retour, Vagabond. Ok, voilà, je suis là. Je suis de retour. Mais comment tu me rejoins de ton côté là-bas? Putain, tellement bien que j'en ai perdu le micro, quoi. Attends, du coup, le temps de rattraper. Vas-y, dis-moi tout. Dis-moi ça. Ah, c'est la station qui revient, la station Vagabond. J'ai pas vu, il me semble qu'on s'est modulé, qu'on a déjà parlé ensemble. Et donc, opérateur Jean-Marie. Donc, mon QTH, c'est chez Michel, donc, c'est Michel de Montaigne. Mais mon QTH à moi, c'est Mucidan. Mais je suis pas Mucidan, retour. Putain, c'est du 57, hein, de mon côté, hein. Putain, la vache. Mais c'est tout bon alors. Ah bah tu m'étonnes. D'ailleurs, là je suis en train de faire une petite vidéo. Donc tu pourras voir ça. Alors attends, parce que alors, là je suis en train d'essayer de faire plusieurs trucs. Comme je suis pas multitâche, forcément ça coince, hein, ça bug. Hachis trois coups, je parle de moi. Hein. Voilà, ok. Oui voilà, comme ça tu pourras voir ce que ça donne. Ok. Michel m'a fait voir, je sais pas s'il a, il a le même poste que toi, et pour ça il me prend, moi je, dans ces postes-là, moi je suis sur 3000 Superstar, SS, 3000, attends, mais j'ai pas mes lunettes, 3000, si je vois pas, 3000, 9 ou 3000 après, je vois pas bien, voilà, retour.
Ok. Ah oui, ils sont pas tout jeunes, ceux-là. Ouais, effectivement, ouais, c'est des bons postes. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, ça marchait vraiment bien. Hein. Mais dommage qu'ils n'ont pas les filtres d'aujourd'hui, là, comme tu peux le voir là sur le Lincoln 2 avec le HIQ, des trucs comme ça là qui filtre encore un peu plus. Hein. Mais c'est du bon matériel, ça. Hein. C'est vrai que moi qui commence en 82, c'est sûr que tous ces postes-là, je les connais bien. Quoi. Excuse-moi, je parle avec YK, alors c'est pas dur. Tu me rappelles, je te prie. Et par contre, j'ai patienté. Moi, j'ai un peu dit, je l'ai vu pendant un digital à Sibi. Et autrefois, j'avais des superstars 3009 Black. J'avais le 3000 tout ça, la façade de noir. Et l'autre, le 3000 blanc. Et ça fonctionnait très bien. Mais moi, je pense pas, il y a 17 ans de ça. Tu vois que ça monte à l'arrière. Hein. Oui, voilà, effectivement, ça. Quoique, tu sais, moi, ça fait pas longtemps, hein, ça fait juste depuis 82, c'est tout, HI 3 coups. Et là, sur le secteur, là, je suis réinstallé depuis... on a fait construire il y a peut-être 12 ou 15 ans, un truc comme ça, là. Et j'ai aussitôt remonté l'antenne, là ici, là, sur le QTH. Avant ça, j'étais sur Bordeaux-Lac. Sur Bordeaux-Lac, j'étais aussi sur, je suis en train de chercher le nom, là à Bordeaux-Nord, à côté, pas loin de la cité lumineuse, Bacalan, j'ai été, depuis 87, j'étais sur Bacalan, j'étais installé en fixe là-bas, voilà, donc enfin, au niveau de la région, voilà un petit peu ce que ça donne. Ah zut, j'ai du mal ce matin. Un petit peu ce que ça donne de mon côté. Moi aussi, attendez, mais j'ai le poste, je vais dans le poste, parce que moi tu vas pas attendre. Voilà. Oui, mais moi donc avant, j'étais QTH 7 millions, donc parce que j'ai arrêté pendant 17 digital à 6 000. Donc après j'ai arrêté parce que problème de santé, problème de grand accident. Donc j'ai tout vendu le matériel. Et puis là, ben, tu vois, je suis reparti. Maintenant j'ai la maison, donc comme je dis tout à l'heure, donc à Mussidan. Mais moi je suis chez mon copain Michel qui est en Dordogne. Parce que moi, lui aussi il est reparti à 6 000. On est des vieux de la vieille, nous. Waouh! Eh! Alors attends, qu'est-ce que c'est qu'un vieux? Ben c'est un jeune qui dure plus longtemps, donc on est bon. Parfait! Ah ouais, mais tu sais, mais donc, je dis ça, écoute, je veux dire un truc, moi parce que je voudrais avoir ton âge, mais si je te le viens, ça sert bizarre, hein. Oh, allez, de suite! Bon, j'en ai que 57, c'est tout, hein. Mais yo, mais t'as la chance, tu as la chance, mais mon vieux, je voudrais les avoir, tiens. Pourquoi t'arrives pas à me rattraper ou c'est moi qui arrive pas à te rattraper? Pose des questions si t'as ça, je l'ai, parce que. Bonjour. Tu parles plus jeune, c'est ça qui me paraît bizarre. Alors, ah mon pauvre vie, c'est que moi, je suis plus âgé quand même. Et oh là là. Ah non, non, j'en ai 62, autour. Oui, mais dans la tête, on peut diviser. Et c'est ça qui est bien. Oui. Non, mais c'est vrai, sérieux. Eh bien tant mieux, au contraire, là tu me fais plaisir, là tu égayes mes journées, là. Non, au contraire, non, je préfère rester jeune dans ma tête, hein. Puis de toute façon, la vie est merdique en ce moment, on fait ce qu'on peut, donc pourquoi se prendre la tête alors qu'on peut à la place s'amuser? Je sais pas, mais c'est vrai, autant en profiter. Ok, c'est parti pour le 24. 24, c'est combien le 24? Comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, beau. Oui, t'es là? Oui, puis en plus j'étais en train de vite sauter sur la table de fréquence, hein, puisque là je suis avec le CRT 7009 là au QIRA. Si dans le push j'ai le Lincoln 2, au QIRA c'est le 7009 que j'ai, et je suis en affichage de fréquence, donc j'ai vite regardé pour voir où c'était, quand je t'ai entendu gazouiller, je me suis dit ok c'est bon, je m'arrête là. De mon côté, je vais t'arriver un peu fort, parce que je vais sur question la pagaille, comme ça j'appelle, donc je suis pas loin de toi, hein. Donc ça va cartonner à ce moment-là. Voilà. Non mais tu vois, je te disais que j'ai tout rendu, voilà, parce que grave accident, et tu vois, j'ai, moi, il y a
d'acier. Et des fois, on me dit, mais comment tu fais pour un mur d'acier? Mais c'est comme ça, j'ai fait comme moi, tout est bien, tout ira bien dans la vie. Voilà, voilà. Mais il y en a, ouais, je m'arrive, mais comment tu fais pour un mur d'acier? Mais oui, mais j'ai dit, écoute, moi j'ai ma jambe, un peu plus j'ai fait la jambe, mais bon, voilà, maintenant je l'ai encore. Je suis à Paris, mais c'est pas rien, je m'en vais doucement, mais je m'en vais. Retour. Et au fait, là, ah oui, t'as été juste à côté, donc là, je passe un peu fort, peut-être, là. Un petit peu, mais enfin, non, mais c'est pas grave. C'est que t'as, bon, quand je dis qu'on passe fort, c'est que t'as du bruit matériel, voilà, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça, retour. Ok, voilà. Je te croyais beaucoup plus loin que ça. Donc j'ai mis un truc en stand-by. Voilà, et là, je suis qu'avec la puissance du poste. Ça suffit, pareil. Bon, mais c'est... Ah ouais, voilà. Mais ça, là, quand je mets ceci un peu, parce que bon... Là, mais c'est normal, c'est normal. Attends, je suis... Bito leader... Attends, non, je vois pas le leader fight encore. Ah, mais je vais aller bito leader fight, alors c'est normal, hein. Ok, oui, je vois où tu es, là, de l'autre côté. D'accord. Enfin, par rapport à moi, t'es de l'autre côté. Moi, je suis, tu vois, le Leclerc de Saint-Magne. Quand tu es au Leclerc de Saint-Magne, t'as une colline juste en face. Bon, ben, tu sautes par-dessus la colline et tu tombes dans le trou qui est derrière. Et je suis de ce côté-là. Ah, ok, ben voilà pourquoi tu passes bien, parce que je vois là-bas même au clair de Michel, un peu chez Michel, c'est pareil, il s'appelle Michel, mais son clair, c'est Michel de Montaigne, mais tous les deux, mais salon, vous pouvez mettre sur la hauteur, donc apparemment, vous passez bien tous les deux, alors toi là-bas, oh mon Dieu, comment tu passes fort, ben c'est logique aussi, retour. Ah, je suis trois coups. Par contre, là où j'ai du mal à passer, c'est du côté est, est et nord. Autrement dit, les stations qui est du côté de Ribérac, de tous les environs par là-bas, ben j'ai énormément de mal à les entendre. Sauf si j'ai un petit peu de propag de mon côté, là, ok, ça va aller. Alors que si je monte là sur les hauteurs là de Sainte-Colombe, alors là, de suite, ça m'arrive à neuf. Ouais, d'accord, ça j'ai compris, ça veut dire 50 kilos tout mouillé, ouais. Et tu as un peu la même module, la même façon de déconner que Beltoise, hein, qui est sur le Saint-Louis de Montferrand. Ah, ok, oui, moi je comprends la voiture, lequel j'en tire, non, c'est pas le même alors. Beltoise, son prénom, je sais plus. Je sais plus comment c'est son prénom, ça fait un moment que je ne l'ai pas attrapé en fréquence. Je sais plus. Ben lui, je le connais depuis 88, hein, Beltoise. Oh oui. Non, mais tu vas pas suivi. Non, mais Jean-Pierre, Beltoise, je suis pas du coureur automobile, voilà. C'est pour ça que je dis, moi, je suis pas un coureur automobile. Je suis beaucoup les courses, moi. Hein? C'est dit, moi, je suis un gros déconneur. Excuse-moi, ouais, j'aime bien déconner, voilà, retour. Ben, tu vois, franchement, je préfère ça que certains grincheux que j'entends ailleurs. Voilà, il y en a qui... attends, j'ai une aiguille qui cogne, là, quelque part. Voilà, ok. J'ai un petit osmet-ouet-met à côté, là, que je surveille. Et là, c'est bon, j'ai pas besoin de lui. Voilà, ok. Non, mais je préfère largement ça. Hein. Certains se prennent pour des seigneurs, hein, parce qu'ils ont tel ou tel type de matériel, tout ça. Voilà, au diable l'avarice, hein. La Sibylle, de toute façon, c'est fait pour déconner, c'est fait pour rigoler. On se respecte les uns les autres, il n'y a aucun problème et tout. C'est pas là-dessus qu'on va commencer à trop se prendre au sérieux, bien au contraire. Tout à fait, là, je me suis arrêté à Castillon pour le feu rouge. Non, mais Jean-Marie a toujours décollé. Après, bon, il y en a qui. Mais moi, je suis un décolleur. C'est pour ça que tu vois, j'ai toujours le bras. Alors, quand tu me dis comme ça, je dis non. Et mais sérieux, tu m'as pas cru. Mais je suis un peu gros quand même. Mais non, je ne sais pas de conneries ce que je te dis. Regarde, mais ça, pas 110, mais ils sont pas loin quand même. Mais je suis un peu gros. Bon, ben, on est comment. Non, mais tu m'as dit 50 kilos, mais je voudrais bien les faire, moi, 50 kilos. Ah, déjà, tiens, mais moi, hein. Bon allez, en comptant le poids de la voiture, ça doit aller faire les 110 kilos, pas plus. Oui, non, mais
pas déjà dit, j'en mets pas. C'est le premier qui m'a dit que non, t'es pas gros. Ben non, je dis, c'est ce que je dis, toi. Écoutez, je vous dis un truc, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, déjà, Marie, t'as pris un peu, alors j'y écoute. Tu regardes mon bien, c'est pas moi qui ai pris, c'est que je viens de laver mon linge, et parce que moi, les gars, je n'ai pas trop pour moi. Donc, j'ai lavé mon linge, et j'ai changé de lessive. Donc, c'est la lessive, il y a peut-être que je reprenne la marque que je prenais avant, parce que tout a rentré ici, alors c'est pas normal, le retour. Ouais, et puis si en voiture on te trouve trop gros, eh ben tu leur réponds que bah non, je viens juste de changer de voiture. Là, je suis passé à une voiture plus petite, ce qui donne cet effet-là, quoi. Ah si, ouais, t'as raison. Non, alors faut me dire quelque chose, Pierre. Ah, je suis trois coups. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre du monde de ce côté-ci. C'est vrai que là, depuis ces dernières semaines, là, ça remonte comme il faut. Et depuis ces derniers mois aussi, ça remonte comme il faut. Depuis qu'il y a un van life, un camping-cariste en fourgon, si tu préfères, là, qui a fait une vidéo sur Internet, hein, qui a fait le buzz, quoi. Et c'est vrai que ça a été un bon petit coup de pouce. Bon, déjà la CB repartait bien, hein, avant ça, mais là peut-être ça remet un petit coup de fouet. Et en plus, le truc que tout le monde maudit, auquel nous on peut faire la bise, c'est au Covid-19. Ah, chie trois coups. Les gens, on a tellement marre de ça qui cherchent un coin de liberté. Et vu que c'est fliqué de partout sur Internet, ben, pour le coup, là aussi, hein, ils rebasculent sur la CB. Et c'est très vrai en plus, cette connerie. Là, je le vois, moi, dans les messages, moi, sur Internet. Hein, c'est ça, en plus. Ok, pour ça, attends, je me dégage. Je suis maintenant au parking de Leclerc, parce qu'après, j'ai un rendez-vous, mais pas encore 11h, midi, même. Je vais sur le parking de Leclerc, je pense que là, tu m'entendais, mais après, ça va, tu vas me perdre un petit peu, parce que je vais encore arriver au feu, avec un béton, alors, dur, retour. Mais je suis toujours sur 24, c'est ça. Oh ben, et tu me passes avec un Santiago de 8-9, alors je risque pas de te perdre, hein. Oh putain, avec mon petit 25 galons, là. Ah, c'est normal, je lui donne à manger ce matin, mon petit 25 galons. Ouais, c'est ça, oui. t'as combien de puissance, là? Juste la puissance du poste ou autre chose derrière? Que je vais te dire, alors, 25, ça fait combien chez toi? Je suis bien godé, combien ça fait, 2x25? 2 x 25. Alors, 25 plus 25 ou 25 x 25 pour arriver à... Oh, bah, ça doit faire 12 watts. Ah, un peu plus. Non, là, de mon côté, je dois être une quinzaine de watts. Alors, attends. Oh, bah, d'accord. Là, comme ça, moi, j'ai le wattmètre, là, qui joue le feignant. Ah, mais il a pas envie, ce matin. Il me montre de 12 watts là ce matin. Bon, d'accord. Au niveau, alors attends, le gag sur le poste, ça me montre à peu près en modulation, en pointe de modulation, 20 watts. Et sur le wattmètre, ça me montre 10-12 watts. Alors là, comme quoi c'est la fête ce matin. Bon, le principal, c'est que... Attends, que je contrôle ça quand même, vite fait. Ça. Eh bien, c'est normal que je vois pas la puissance. J'étais en position tosmètre pour voir la puissance que j'envoie. Alors comme ça, c'est là, d'accord. Ah bah là, ok, là ça développe. Là. Voilà. Là j'ai... Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit rien, il me dit beaucoup, il me dit... ouais, non, c'est bon. Ok, là c'est bon, j'ai à peu près... Bah attends, il me fait modulomètre ce matin. Bon, d'accord, c'est pas grave. Tout va bien, c'est la fête à la maison. Et alors, deuxième mois, ça va mieux aller encore. Ça va mieux aller. Je vais t'arriver un petit peu moins fort ou plus fort. Ben, la modulation a changé. La modulation est moins percutante, un peu plus aiguë. C'est à 33 et la station Vagabond. Et là, c'est à 51-73 à la station Dallas. Voilà, retour. Ok, Dallas, c'est un Santiago de 5 là de mon côté. Jeune d'un plus. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je t'entends parce que je suis sur les hauts à côté des antennes satellites de Saint-Philippe, pardon. Et c'est pour ça que je t'entends. Mais eux, ils sont 2033
moi, doit t'entendre, s'il est sur les hauts, sur cette colonne. Mais non, je suis en bas. Vagabond, il est en bas, là, côté le père. Voilà, retour. Ouais, j'ai entendu quelqu'un, la très QRP, là, derrière. Les 73-51, la station de Dundee 33, voilà, sur Sainte-Colombe, dans le bas de Sainte-Colombe. Donc, je suis comme la station, là, au Leclerc, là, je suis en bas, là. Et voilà, j'ai rallumé, là, derrière, parce que là, ça m'arrivait trop QRP de mon côté. Donc, peut-être que je me dis que lui aussi devait pas trop m'entendre. Ça, tu passes bien, mon côté. Tu m'étonnes. Normal. L'aiguille doit peut-être cogner. Mais j'ai entendu quelqu'un qui m'arrivait très très QRP là dans le fin fond. C'est pour ça que là j'ai un peu rallumé quoi. T'as vu Jean-Marie, il est malin. Parce que je vois mon aiguille. T'as vu, je suis malin quand même. Bon, ça passe plus dans le lointain. Ok, je recoupe. Casser la boîte. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait hier? Casser la voix! Non, voilà, j'ai remis en stand-by la bestiole. Voilà, parce qu'il y avait une station là qui passait, la très QRP, là, juste avant. Je sais pas où il était et tout, ça, je vais rallumer un petit peu, là, histoire de lui mettre un peu plus de confort, mais j'entends plus. Ah bon, mais moi je t'entends, mais c'est normal, je suis pas une de toi, alors c'est normal que je t'entende. Bien! Oh oui, là, c'est bon, là, ça va, là, c'est nickel. Bah tu m'étonnes, on est il y a juste la colline de Saint-Magne là qui nous sépare. Ah les gars, là moi j'ai changé, là, mais moi ici le vagabond il roule. Là je suis juste passé dedans de Saint-Magne de la Castillon. Saint-Magne de Castillon, retour. Break, station break. Oui le break, en avant le break, avec les bonnes 73, le break du matin. C'est Dallas qui reprend la pastille, voilà. Là, je suis sur Saint-Philippe d'Aiguille, au niveau des radars, voilà. Et tout à l'heure, il y avait un jeune de... Je m'en rappelle plus de son QRZ. Voilà. Qui se lançait et qui demandait un essai de TX. Voilà, retour. Oui, je suis d'abord sous 24 sur la station depuis... Ok, pour Guigny 24, je te copie, mais je sais pas si Dundee 33 te copie. Moi, je t'entends bien parce que je suis sur le haut, mais lui, je sais pas, alors je vais voir. À toi, Dundee 33, à toi, c'est à toi. Si, je l'ai entendu. D'ailleurs, pour le coup, là, j'ai tout renclenché. Là, pour être sûr que ça passe, là, de son côté. Les 73-51 de Dundee 33 sur le bas de Sainte-Colombe. Dans les environs, Marc, non, si je te dis les environs, ça va pas te dire grand chose. Là, je suis dans la cuvette, là, de Sainte-Colombe, à côté de Saint-Magne de Castillon. Ben oui, bon, pourtant, là, de mon côté, c'est quand même, bon, c'est une radio de 3-4, hein, Santiago de 3, et c'est pour ça, justement, je t'ai mis un peu plus de confort pour que tu puisses m'entendre un peu mieux, quoi. D'accord, oui, bon, en fait, Attends. Ok, et bien justement, là, ça tombe bien, je suis en train d'en faire une, là, actuellement, justement, comme ça, tu pourras voir ce que ça donne. Voilà, alors j'ai commencé au tout début avec le téléphone, c'est pour ça que tout à l'heure, là, j'ai dit aux stations, attendez, je reviens de suite, parce que là, j'en ai fait une de 2 minutes et quelques, là, que je suis en train d'envoyer, là, sur Facebook, à Chitroicou, là, sur le groupe, et là, j'ai la caméra, là, qui est actuellement en route, donc c'est bon, là, tu pourras voir ce que ça donne. Je m'en occupe, là je suis en train de travailler là sur autre chose là pour une association là, et aussitôt après je m'occupe de la vidéo pour envoyer ça sur internet. D'accord, bien reçu. Et oui, parce que je fais partie d'un club de cyclistes, j'ai vu que tu faisais partie d'un club de cyclistes. Alors je fais partie de plusieurs trucs. Alors déjà à la base je fais partie d'un regroupement d'associations nationales qui s'appelle ERCI France. Voilà, ERCI. Et dans ce regroupement d'associations, bon, pour ma part, j'ai un poste d'adjoint au responsable radio et communication. Et
J'ai fait aussi partie d'un groupe DX, Kilomag. Et pour le côté DX, voilà, c'est 14 Kilomag 3301. Voilà pour mon indicatif Kilomag. Et le groupe Kilomag fait également partie de l'ERCI. Voilà, on est tous ensemble et donc on a des associations comme FCBA 33, ces associations-là avec nous justement là au sein de l'ERCI France. D'accord, ok. Alors là où je suis, à la différence, c'est pas une fédération, même si ça pourrait porter le nom, c'est une étiquette que l'ERCI ne veut pas avoir. C'est un regroupement d'associations. Et il y a un vrai travail en commun qui se fait. C'est pas comme certains juste en pocher de l'argent à chier trois coups. Là, il y a un réel travail en commun. Et normalement, là, au mois d'avril, on devait avoir une réunion, notre réunion annuelle, hein, l'Assemblée Générale, quoi. Voilà, j'étais en train de chercher mes mots. Et bon, ben, du coup, avec les règles du Covid-19, là, ça va pas être possible. Ben oui, je connais bien, oui, affirmatif. Oui, ben c'est bien, puis il en faudrait davantage, justement, là, des bénévoles. Car c'est vrai que là, ça manque. Les gens demandent, mais de là à accepter d'aider, là, c'est vraiment, vraiment compliqué, là. Ouais, de toi, je suis pas couvreur quand même. Ah, chier trois coups, non, je déconne. Merci, c'est sympa. Oui, non, mais c'est sûr. Puis surtout que... Alors moi, le truc qui m'a fait hérisser les cheveux sur la tête, hein, je dis ça parce que j'en ai plus. C'est, je vois par exemple, là, dans sur le sud-est de France, là-bas, dans le Var, quand il y a eu toutes les catastrophes là qu'il y a eu, là, alors là, tout le monde se plaignait qu'il n'y a plus de téléphone, ceci, cela, plus rien marché. Ben, il existe des solutions alternatives et on est en train d'utiliser en ce moment même la solution alternative. Alors je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis des stations, surtout que la CB n'a pas besoin de licence, n'a pas besoin d'examen ou quoi que ce soit pour être utilisée. Il leur suffisait simplement de mettre une station branchée sur groupe électrogène ou sur panneau solaire à la mairie du village, par exemple, auquel ben, n'importe qui derrière, sachant tenir un micro, pouvait passer les infos travailler dessus pour faire avancer les besoins immédiats, quoi. C'est, je sais pas, il y a un truc qui m'a échappé là sur le coup. Ils ont complètement oublié qu'il y a des systèmes alternatifs qui existent. Alors on va dire c'est le 21e siècle. C'est Internet, c'est ceci, c'est cela. Et dès qu'il n'y a plus ça, on dirait que ça y est, c'est la fin du monde, la Terre s'arrête de tourner. Alors que non, et c'est vrai qu'il existe d'autres systèmes. Ça m'agace tellement là de voir que les choses ne sont pas utilisées quand il le faudrait que du coup j'en bafouille. Hachi! J'ai un petit peu de mal, tu dois t'éloigner là, je suis en train de te perdre. Hein. Oui, donc comme je te disais, Non, c'est bon. La commune du Pays de Poilu, et on travaille sur un plan communal de sauvegarde.
Ok, d'accord. Et il y a des moyens radio, évidemment, qui sont utilisés, certainement genre PMR, des trucs comme ça, je suppose. Ah oui, carrément, oui. Ah oui, sauf que là, c'est pas n'importe qui peut utiliser ça. Affirmatif, on peut être en relation avec les pompiers et les gendarmes. D'accord, ok. Dans ce sens-là, alors attends que j'aille sur le PC, voilà. Dans ce sens-là, justement, que j'écorche pas les noms. De notre côté, on est avec le. Alors, attends que je recherche, voilà. Là, je suis sur le forum. Alors, de notre côté, on est avec le TIC. Ah, attends deux secondes. Ça y est, voilà. On est avec le TICAF, que tu dois connaître. On a aussi. L'OCDPC, tu vois, voilà, là, on travaille en collaboration avec justement avec ces organismes-là, ces associations-là. D'accord, oui, j'en ai entendu parler de ces associations-là. T'as là, j'ai du mal à t'entendre. Hein. Je sais pas si tu bouges ou pas, mais là, c'est un petit peu compliqué, là. Ah, t'es mauvais matériel. Ouais, ça doit être ça. Mais tiens, vas-y, je te repasse le micro. Allô, t'as du mauvais matériel. Moi, je t'entends, j'entends tout le monde, il n'y a que toi qui dis que je t'entends pas. Mais qu'est-ce que tu changes ton matériel? Non, c'est que pour entendre correctement, je suis vraiment très, vraiment mal placé. Mon meilleur emplacement, ma meilleure orientation là, c'est vraiment côté ouest. Ouest et un peu sud-ouest. C'est il n'y a que de ce côté-là où j'arrive à attraper correctement. Quoi. Ouais, ouest, sud-ouest, c'est mon angle de tir, de tir Hachi, le meilleur. Ok, mais t'avais le fixe ou quoi? J'ai que quoi? T'avais le fixe ou t'es pas avec le pochon mobile là? Non, je suis au QRA là. Ah, ben c'est ça, voilà pourquoi tu maries au plein pot là. Oui, mais pour que la station derrière m'entende, j'ai un petit peu allumé, je pédale un peu plus vite. J'ai compris, oui, mais oui, c'est sûr. Et si je dis, plus tu pédales, plus tu avances, non? Ben oui, mais il y a un truc que j'ai pas bien compris, c'est que là, pour le coup, c'est une histoire de tourner en rond. Ouais. Ah, tu tournes pas en rond, qu'est-ce que... Et moi, je suis pas de toi, là, je signale. Si j'ai ça, je suis à 9 semaines de toi. Wow! t'es en haut de la colline? Non, je suis en bas. Tu sais, je sais pas où je suis, c'est l'ancien forgeron là, tu vois où il est? Où il y a les camions chez Dumont là, où il y a toutes les remorques là, mais je suis pas loin. T'as 9 plus 40, hein? Mais je suis content, petit, mais tu vois, pour mon petit 25 canons, ce matin je donne un petit peu à manger, c'est pour ça. Ouais, 25 canaux avec un zéro en plus devant, derrière. Ouais, ça, non, c'est un petit 25 canaux, c'est tout, encore, voilà, un petit 25 canaux, mais tout petit. Des fois, je suis embêté, je n'ai pas trouvé, et toi, mon tout petit, je peux aller sur les cieux, sur le USB, un petit peu partout sur un petit 25 canaux, mais je le garde, hein, je ne veux pas le vendre. Alors là, c'est sûr que là, t'es vraiment à côté, là. Je rentre par la fenêtre quand même au cas où je verrai une voiture. Non, je vois rien. Regarde, moi je te vois. Moi je vois ton antenne. Je suis passé près de ton cuir, pas loin. Alors ok, l'antenne est de quelle couleur? Mais attends, je la vois plus, je suis resté au parking, dans le parking où il y a les remorques, les camions là, tu vois où c'est? Non, pas trop. Pas trop, parce que là où je suis, là, c'est... j'ai rien, là. C'est pas toi, j'ai une antenne de Sibi, là. C'est peut-être pas toi, là, parce que j'ai une antenne de Sibi, là. Donc moi, quand je monte, j'ai côté gauche, de mon côté gauche. Dans le bourg ou sur la ligne droite? Non, en bas,
presque en bas, la route de, qui va sur cette colombe. Attends, je vais tourner la maison. Attends, je suis toujours à l'antenne depuis là. Là, il est là. Attends, oui, c'est là, j'ai tourné à cette colombe, 2 km. Mais toi, et j'ai vu l'antenne de Sibyl, pas loin, mais j'en veux plus de deux. Mais elle est enlevée ou quoi? Ah, je la vois, ça y est, je crois que je la vois. Bah là, là, li, là, 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 à toi. Ben, je sais pas si tu es au bon endroit. Est-ce que tu es à côté? Négatif. Non, mais c'est qui cette antenne de Sibyl que je vois? Tiens, je passe là. Il y a une antenne de Sibyl là. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. C'est une grande demi-onde, sans radiant, je veux dire. Et tu es sur la ligne droite. Alors, c'est un ancien de la CIBI qui il faisait partie des habitués du canal 25 autrefois, il y a une dizaine, 10-15 ans. Voilà, qu'il y avait le canal 25 qui était très très actif. Et d'ailleurs, son poste n'a jamais bougé de ce canal-là, quoi. Alors des fois je le vois, il me dit il n'y a plus personne en fréquence. Ben oui, mais il change pas de canal. Alors comme ça, c'est sûr qu'il voit beaucoup moins bien s'il y a du monde. Ok, Achille, toi, je suis pas bon, je suis pas sur le bon canal, sur la bonne route. Là. Bon, ben, mais oui, voilà, juste devant chez lui. Achille. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, t'es pas au bon endroit. Excusez-moi, trompé de route. Non mais c'est il te suffisait de continuer sur Sainte-Colombe, voilà, sur le bas de Sainte-Colombe, et là t'aurais pu t'amuser à un jeu de piste. Ok pour ça, oui, pas de problème. Attends, alors je passe là, il y a quelqu'un qui travaille, voilà. Ah ok pour ça, non mais je veux pas, après je voilà. C'est pour moi, je crois que c'est toi là, tu vois. Et, mais c'est l'antenne de Sibyl, mais c'est pas toi. Non, j'ai une... Comme antenne, c'est une Sigma, une Mantova 8 que j'ai, donc t'as 8 radios à la base et tout, ça. Mais bon, là où je suis placé, par contre, j'ai dû... Si je te demandais la couleur, c'est par rapport à ça. C'est... Vu que je suis à côté d'une église classée monument historique, bon, ben, j'ai dû la peindre pour qu'elle se fonde dans le décor. Ah, qui pour ça? Attends, l'église, ça vaut que j'envoie... Blablabla. Alors, je sais pas, de mon côté, elle serait à droite, si je ne me trompe pas. Alors, vu tout à l'heure, tu as eu la station dans la ligne droite qui est à ta gauche, oui, si tu continues tout droit, l'église sera à ta droite. Ah, tu vois, il est pas trouvé, ce vagabond, quand même. Non, mais après, je vois pas. Après, voilà, non, mais je cherche pas, c'est pour ça, ouais, d'accord. Et là, je crois que c'est toi, tu vois. Et c'est lui, mais non, puis là, c'est une ancienne station. Non, ouais, c'est une station, il a une base, Jimbo, je crois, ou je sais plus. D'ailleurs, il avait un souci avec. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, il allait nulle part ailleurs que sur le canal 25. Là, par là, j'ai entendu les fois un peu, non? Oh, pas plus que tout à l'heure. C'est bon, ça va, mon petit matériel, il fonctionne bien, tu vois, mais c'est vraiment, ouais, ça va, alors. C'est bon. Ouais, je dirais même que tu t'éloignes. Négate, je suis en bas de Sainte-Colombe. Ben, t'es à plus 20, tout à l'heure, tu m'arrivais à plus 40. Tout à l'heure, j'étais plus près de chez toi, alors. Attends, je viens de couper un truc parce que c'est du n'importe quoi, ça. Tout à l'heure, oui, t'as dû passer pas loin puisque t'étais à plus 40. Putain, mais qu'est-ce que je fais, alors? Mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais, alors? Attends, il y a un problème, si je reviens par là, je vais pas tourner chez toi tout à l'heure, alors. Ah, là, plus 30, là, j'ai baissé, je suis au mini au niveau puissance, là. Parce que j'aurais pas quand même, ça sert à rien que l'autre station qui est dans le lointain, je l'ai complètement perdu, là, tout à l'heure. Je sais pas s'il devait rouler, mais c'est vrai que là, c'était j'avais du mal à l'entendre. Donc là, pour le coup, là, j'ai tout coupé. Et là, oui, tu m'arrives à plus 30. Voilà, comment je t'arrive, là? Plus 30? Ah, plus 40. Non, je suis pas loin de toi, alors. J'ai apparemment... Ah ouais, je suis pas loin, voilà. Non, je suis pas loin. Je suis donc sur la route ici de cette colombe qui va sur Castillon, quoi. T'es dans... Alors, attends, tu as... tout à l'heure, tu m'as dit que, ouais, t'étais passé devant chez l'ancien. Je vois où tu es. En face de chez l'ancien, t'as une maison avec un énorme arbre sur la droite, là, où il y a un chemin qui monte un peu.
Donc là, tu as fait tout droit direction Sainte-Colombe, c'est bien ça? Et tu dois être du côté de l'église classée monument historique. Non, non, là je suis exactement à l'ancien, je sais pas si pour lui, tu as joué des camions, des remorques, l'ancien forgeron. L'ancien forgeron? Mais c'est que... Non, je connais pas. Ah mais... Oh, attends, t'es sur la partie haute ou la partie basse de Sainte-Colombe, la partie haute? C'est dégâts, c'est la partie basse. Côté route Castillon, partie basse. Partie basse? Partie basse... je connais pas, en plus. Je connais pas, disons que c'est vrai qu'on fait boulot maison, et du coup c'est vrai qu'on prend pas le temps de discuter avec les voisins et tout. Alors la partie basse, alors peut-être du côté du maire, de ce côté-là peut-être, non, je pense pas. Oh ben d'accord. Alors le pire c'est que je vois pas où t'es en plus. Alors je te dis où je suis, là j'ai roulé, j'ai une église, ça, je sais pas, je suis à Saint-Magne-Castillon, dans le bourg de Saint-Magne-Castillon. Ah oui d'accord, non bon t'y es pas du tout. Ok, j'ai vu là en même temps, là c'est descendu à 9 plus 10. D'accord, ok, non, bah t'y es pas du tout. Hein. Ah voilà, c'était bien ce qui me semblait. Donc tout à l'heure j'étais mieux tout à l'heure. Ah bah oui. Ah bah tu m'étonnes, tu m'es arrivé à plus 40 tout à l'heure, donc t'étais vraiment pas loin. Et par contre, t'étais pas à côté de la bonne antenne. Non, mais je suis vraiment carrément dans Sainte-Colombe. D'abord, faut que je cherche la route pour prendre Sainte-Colombe, que j'ai perdu. Alors, dis pas que je tourne, putain, mais je suis bête ou quoi, Sainte-Colombe aussi, il faut que je tourne. Je vois plus de route à qui je me pauvre, là. Bon, arrivé au bout de Saint-Magne, tu es arrivé au croisement de la voie ferrée qui sera à ta droite, Castillon qui sera en face et Sainte-Colombe qui sera à ta gauche. Attends, oui. Donc il faut que je passe le bourg de Saint-Magne. Toi, là, tu es dans Saint-Magne, tu es dans le centre de Saint-Magne. Voilà, moi je suis dans le centre de Sainte-Colombe, donc forcément, si toi t'es à Saint-Magne et que moi je suis à Sainte-Colombe, on va pas se rencontrer, là c'est clair. Ouais, mais je vais de mon côté, moi je vais vers Castillon, ça va pas. Excellent. Mais faut que je retourne alors. T'as le couillon, achi. Ouais, attends, je voudrais voir si les autres stations derrière sont toujours là. Voilà, j'ai renclenché la bestiole pour être sûr que... Attends, c'est moi ou j'ai entendu klaxonner? Non, ça doit être la radio. Les autres stations qui sont avec nous dans le QSO, vous êtes toujours là? Bon, bah c'est le grand désert. Ah là, ça va mieux aller. Ça va remonter, là. Oui, voilà, on est toujours là. J'ai changé de place, je me suis rapproché un peu plus de l'antenne du QSO, je suis juste à même pas à 20 mètres. Ok, bon, c'est toujours un Santiago de 3, j'ai pas vu de différence. Mais c'est vrai que tout à l'heure, là, j'avais du mal à te sortir. Et heureusement que ce matin, j'ai pas un pet de QRM, parce que je vois là, ces jours derniers, j'avais 5-7 de QRM. Là, ce matin, j'ai rien. C'est nettoyé, c'est propre. On voit que quelqu'un a fait le ménage sur les ondes. Ah oui, là je circule un peu sur les autres canaux. Et sur le 22, sur le canal 22 en AM, voilà, il y a des gens, mais bon, ça parle d'un peu tout le bazar. Oui, il y a du monde un petit peu partout, hein. J'ai vu ça aussi. Hein. Là, puis il y a aussi les pardon. Il y a les convois exceptionnels aussi. Il y a surtout les convois exceptionnels. Ils passent pas loin de chez moi en plus. Hein. Là, ils passent du côté des Bigarou, de ce côté-là. Donc, je les entends tous les jours. Sur la route de Gardonne aussi.
Oui, ben tiens, tu parles de ce Sainte-Foy-la-Grande, c'est justement le nom que je cherchais tout à l'heure. Il y a une station fixe qui est là-bas sur Sainte-Foy-la-Grande, et tout le monde l'entend très bien, et loin, et moi ici au QIRA, ben, il m'arrive tout petit. Voilà, tout ça parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui réussisse à me dégager là, cette colline, là, qui me fasse un trou, là, que ça me fasse un passage. Hachi. Oups. C'est un réparateur de suivi aussi. Vertigé, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Attends, j'ai quelqu'un qui doit être à côté là du à côté du cuir. Hein. Attends, je coupe là ce que j'ai derrière parce que là je vais le lui faire exploser son poste. Alors ok, voilà, là je suis à 4-5 watts là. Ouais, 4 watts, hein. Là je suis à 4 watts. Hein. Voilà, donc là, ouais, j'ai vu là, t'es à 9 plus 40, 9 plus 50 même. Là t'es vraiment à côté là. C'est à moi, ben enfin, j'ai mon doigt, je suis c'est qu'il y a une grue jaune. Une grue jaune? Putain, je savais pas que j'étais si grand que ça, moi. Non, mais c'est bizarre parce que vu le signal, voir tu envoies vraiment de la patate derrière. Vu le signal, c'est comme si tu étais au croisement qui est à côté de chez moi. Normal, je descends, le signal a dû baisser, non? Non, il n'a pas bougé. Mais tu descends d'où? Tu es passé par le haut de Sainte-Colombe ou par le bas? Par le haut, je crois. Attends, j'ai pris le haut, je ne sais même plus le nom. Attends, aussi que je suis là, que je vois plus le panneau, je vois le camion, je vois la rue, je suis parti, moi, là. Je suis parti à la Pampa, là, ou quoi? Je vais aller en haut de Sainte-Colombe, je crois. Je crois bien, parce qu'attends, je monte, je descends, ben ouais, je descends. D'accord, entre Castillon-la-Bataille et Sainte-Colombe, tu es entre les deux. Donc si c'est bien ça, au panneau en haut, tu tournes à gauche. Et là, tu prends le toboggan qui s'en va jusqu'en bas. Attends, là, je vois que des châteaux, des camions. Alors, je tourne, et je fais des tours de boucan. Ah, ça peut pas être derrière. Le pire, c'est que moi, comme je suis pas sorti ce matin, j'ai aucune idée de ce qu'il y a, quoi. Alors, je sais pas, je tourne, c'est pour savoir, mais je sais pas, j'ai pas pris la bonne route encore, c'est pas grave. Les voyages font la jeunesse, hachi. Alors, demain, moi, j'ai une gros mille pattes, alors je veux pas te dire, hein. Alors, après, il y a une station fixe à la bande du Saint-Martin. Ah, l'OM est en train de moduler avec quelqu'un d'autre, là. La station, tu es où? Ça y est, j'ai bouffé ton QRZ, hein, j'ai bouffé ton prénom. Là, qui m'arrive tout petit, voilà, là, j'ai tout rallumé pour que ça puisse passer. Tu es de quel côté? Alors, je suis du côté de l'entrée du clé. Attends, j'ai pas compris. Du côté de... De l'antenne du Tlé, je suis pas sûr d'avoir bien compris. L'antenne du Tlé? Non, j'ai pas dû comprendre. Département 24, si, retour. Ok, département 24, ça oui, effectivement, j'avais compris. Hein. Ouais, bah oui, non, mais c'est normal, moi qui m'arrive pas plus fort, hein, c'est logique. Hein. Je suis à une hauteur de 50 mètres. Le haut de Sainte-Colombe est à 80 mètres. Alors tu vois ce que ça donne pour passer, quoi. Ok, ouais, j'ai tout recoupé parce que là, ça sert à rien. Je renclenche pour lui, je renlève pour toi. Ah, que par ça. Moi, je vous entame tous les deux, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, ben, vu comment tu m'arrives au QRA, oui, parce que là, je suis. Ouais, 4 watts, hein. Ouais, je regarde là. Oui, c'est bien ça, hein. Ouais, j'ai pas plus de 4 watts, là. Je dis rien, je m'écrase. Moi, j'ai 1 watt 5. Mais bien sûr. Et la marmotte a mis le papier. Ta
Si ils m'ont donné 25 euros, je suis content, mais je ne veux pas le vendre. On ne veut me l'acheter, je ne veux pas. Et 1 watt, je suis sur un watt, 1 watt 5. Ah, tu vois, voilà, un petit peu plus. Oui, 25 avec un zéro derrière. Ça, c'est un 250 canaux, ça. Allô, t'as trouvé. Oh ben attends, hey, depuis le début que tu me le dis, j'ai compris. Hein. Oh, ça va pas trop mal quand même alors. Bon, il marche bien. Il marche bien, ouais, il marche bien. Mais si je veux, je peux brancher autre chose aussi. Hein. J'ai le décamétrique là qui est juste en dessous. Hein. Voilà, hein. Mais bon, le décamétrique, j'en ai un petit peu marre. Il marche très bien, j'ai zéro problème avec, mais bon, je m'en suis lassé là du déca. Je le garde pour aller écouter sur les bandes basses, et puis c'est tout. Je préfère être avec le 7009, qui fait plus, même si c'est aussi un poste radioamateur malgré tout, il fait quand même plus allure CB, quoi. Ah, je vois le cimetière, la plus jolie église. Ah ben voilà, oh putain, oui, j'ai vu l'aiguille, là, tu m'es arrivé presque à fond, là. Mais c'est bon, je suis à l'église, là. Attends, tu vas à gauche? Je monte tout, je m'en veux plus à gauche, là. À gauche, on va pas sur cette... On va où, à gauche, là? Eh ben moi, je suis... Tu verras une antenne en contrebas. Voilà, à gauche, ben, tu t'en vas droit sur Saint-Magne de Castillon. Tu retournes sur le papy qui a son antenne qui modulait autrefois, là, qui module plus maintenant. Oui, mais attends, et je vois pas la tienne, je vois pas, je redescends, je vois pas. Eh ben, au croisement. Je vais regarder sur la droite. Moi, à l'église, je tourne à droite. Il y a la maison à droite, là. Eh bien, et derrière la maison, tu vois pas une cabane perdue dans le pré? Ah, t'es marrant, je mange pas. Je peux pas la voir, je retourne, alors. Non, je vois pas. Attends, je vais tourner. 2 secondes. Quand même, je vais chercher, il y a rien, parce que... Attends, je tourne. Et le cabane. Oh, putain, attention, le cabane. Hey, je suis trois coups. Donc là, t'es rendu. Bon, effectivement, il faut que tu fasses demi-tour. Alors, qu'est-ce que je peux te donner comme indication tout en te laissant chercher? Tu vas voir quelque chose de petit qui ressemble à une cabane en tôle ondulée vert. Alors là, va falloir que tu trouves. Le problème, c'est que je suis remonté au cimetière, alors tu vois. Aïe, aïe, aïe. T'es remonté au cimetière. Je suis au cimetière, au croisement, tu vois. Côté gauche et côté droit, je suis là. Ok, eh bien, si... Ça va plus. Faut que je descende, y'a pas chier, un chier. Tu m'étonnes. tu me couilles, là, hein. Ah ah. Je suis là, tu... dans le... Là, tu aurais dû voir quelque chose. Et plus près, par rapport à là où je suis, tu dois tomber sur quelque chose qui ressemble à une... Je t'ai donné des indices, là. Tiens, attends, écoutez, je vois rien. Dis-moi, je suis en haut, là, je suis. Je vois une voiture devant la côte de moi, et il y a une maison qui me cache. Moi, je vois rien du tout. Putain, c'est pas vrai qu'il va falloir que j'aille à la pêche, moi. Oh là là, c'est pas, je veux pas t'embêter plus longtemps, quand même. Oh non, alors là, j'en ai rien à cirer, gros. Alors là, non, là, tu me connais mal. Hein. Là, je m'en fous complètement, hein. Non, je suis pas comme ça. Certains partent du principe, voilà, qu'est-ce qu'il me veut, lui, il veut me cambrioler, ceci, cela et tout. Il y a des gens qui psychotent à ce point-là, quoi. Non, de ce côté-là, moi, je suis tranquille. Je suis tellement tranquille que, de toute façon, il n'y a rien à voler chez moi, mis à part la CB. Ah, non. Alors, écoute, je suis garé. Je suis. Et je vois rien. Je suis en face du cimetière, je vois rien. Ah, d'accord, ok. Tu as la... Et si tu jetais un coup d'œil derrière? Mais si tu veux derrière, oui, je... derrière, mais moi, je... oui, mais je vois pas où je suis, moi, je vois rien, là.
Et derrière, tandis que alors que je redescends, de quoi je vois rien. Bon, d'accord, au croisement, tu retournes là sur le croisement là du centre. Et ben voilà. Attends. Là, je redescends, une grande dentelle, peut-être je ne la vois pas. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est ça, je vois. Il y a l'œil, c'est ça. Et là, tu as quoi? Ah, tu as une boîte aux lettres, style cabane en tôle ondulée vert. Je vois rien, moi, il y a un chemin, c'est pas ça. Mais je vois rien, moi, là. Mais c'est pas vrai, il me le fait le coup. Et on n'a quand même pas volé la boîte aux lettres. Quelle boîte aux lettres? Je vois pas le chemin, je vois pas la boîte aux lettres, là. Hein. Ouais. Non, c'est pas possible. Alors, je suis aussi calé le bois, là, le machin en bois, là. Le machin en bois, qu'est-ce qu'il me fait? Attends, je vais à la pêche, je vais te repêcher parce que je sais pas où t'es parti là. Je reste, bah de toute façon oui, je laisse le poste allumé. Allez, j'ai 2 minutes 30 de vidéo là qui tourne encore, je vais la laisser filer comme ça. Et je me démerderai, je recouperai après s'il le faut, je vais te repêcher. Écoutez, mais c'est pas possible, je rebondis, je suis au panneau en bois là. À la maison en pierre, je vois. Je vois le cœur, mais c'est possible. Je vois que côté l'église, oui, il y a des bambous, c'est ça? Non, il n'y a pas de bambous. Les bambous, c'est les Anglais. C'est ça. Partir à droite, pourquoi je mets un peu si je me tire? Je suis descendu à droite. Bon, je... je vais te repêcher, quoi. Hachi. Putain, mais les chasses à renards, ça date, hein. Ah, putain, pourtant, là, en plus, je peux pas me cacher, donc... t'aurais dû me trouver facilement, quoi. Là, t'es mauvais, là. Hachi. Oui, en plus, je suis toujours là aussi, me tire. Puis j'ai la maison en pire. Et toi, j'avais pas te voir. Et je sais pas. Pourtant, si c'est moi, tu vas dire. Ah ouais, Jean-Marie, il est pas mec, il est un peu gros. Moi, tu vas me voir, par contre. Hein. Attention aux deux stations. Ici, on doit finir 24. La station derrière, je t'entends. Moi, je te sors petit. T'as le radio 2, mais je t'entends. Retour. Attends, en plus, je viens d'avoir une idée. Alors là, on va faire ça comme des pros. J'ai un portatif. Voilà. Donc, ça va être nickel. Comment il fonctionne déjà? Voilà. Alors, on est sur le... Waouh! Ok, on est sur le 24, c'est bon, je te rattrape. Le téléphone, il fonctionne comme le TX, je tourne les boutons. Bon, voilà, ok. Là, c'est le portable en plus. C'est-à-dire, ce Jean-Marie, Hachi, il va dire Hachi. Putain, moi, c'est jamais autant servi du portable. Putain, mais il faut être naze. Autant facile, il faisait la chasse au renard, mais vraiment, bon, je ne serais pas futé, hein. Putain, oui, là, t'es mauvais, là. Ok, voilà, donc ça y est, je l'ai récupéré. La station est à côté de moi, il est au QRA et il envoie les 73-51 à tout le monde. Bon, merci à toi d'être là pour le visu, ça a été vraiment bien sympa. Je vais pas rester bien plus longtemps, je vais passer au QRT car du coup j'ai du boulot qui m'attend. Hachi trois coups.